Le cube, là où nous sommes maintenant, serait un peu comme le cœur de l'exposition, inspiré d'une partie du studio de Thomas Ausiago à Los Angeles, qui est le lieu de la pensée, de la réflexion, de la discussion. Il y a une œuvre qui est le Cast Studio, qui est un projet qu'il a fait pendant plus de 6 mois en terre d'argile, dans lequel il y a eu plein de performances, des chanteurs, lui qui a sauté, la sculpture s'est faite avec le temps. Et vous voyez une sorte de billboard qui montre comment on a construit l'exposition en mettant les œuvres les unes à côté des autres et voir comment elle fonctionnerait. Dans la librairie, il y a évidemment des catalogues de tous les artistes qui sont présentés dans l'exposition pour que chacun puisse approfondir. Mais il y a aussi des catalogues d'artistes qu'on a à dessein pas inclus dans l'exposition. Comme sur la table, chacun peut venir avec son ordinateur et travailler. C'est un lieu qu'on espère être de vie, de pensée ou de recherche de ce que les uns ou les autres souhaitent, en fait.